l'application des principes de la loi d'attraction. Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créer-sa-réussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction qui nous provient cette fois-ci de Gaëtan. Alors je répète sa question. Comment persister dans l'application des principes de la loi d'attraction? Alors merci Gaëtan pour votre question. Et la réponse à celle-ci va probablement répondre à d'autres questions qui m'ont été soulevées lors de mon sondage. Je vous avais demandé de répondre, c'est-à-dire de me poser vos questions sur la loi d'attraction. Alors, comment persister dans l'application de la loi d'attraction? D'une part, il faut savoir et bien sûr croire que la loi d'attraction fonctionne toujours. On n'a pas vraiment à l'appliquer dans notre vie, c'est plutôt nous qui sommes au centre de l'attraction. Notre énergie, nos fréquences de vibration, comme je le répète souvent, font en sorte que nous attirons à nous les gens, les événements, telle petite chose dans notre vie, bonne ou moins bonne, et c'est vraiment ce que nous attirons à nous, ce que nous manifestons à nous, ou que nous ne manifestons pas, qui fait que la loi d'attraction amène ce résultat-là. C'est nous qui sommes le petit dynamo qui faisons fonctionner la loi d'attraction, bien que ce n'est pas tout le monde qui veut bien croire ça ou qui le savent non plus. Alors, comment persister? C'est qu'on n'a pas vraiment à persister au sens du terme. C'est simplement de savoir que notre comportement général, nos pensées, notre humeur, notre attitude, l'énergie que l'on a, ce sur quoi nous mettons notre attention toujours, fait en sorte que nous allons attirer à nous ce que nous attirons dans notre vie en ce moment. Alors, pour répondre à cette question-là, comment persister, je devrais peut-être changer votre question en disant comment faire, si c'est le cas, si c'est votre cas par exemple, comment faire pour toujours attirer vers moi le positif et le meilleur de la vie? Parce que nous attirons toujours quelque chose dans notre vie, tout le temps, la loi d'attraction n'arrête jamais de fonctionner. Alors, si dans votre vie, vous attirez des choses négatives, par exemple, peut-être vous allez dire, bien, je pense que là, la loi d'attraction ne fonctionne pas, je ne persiste pas assez à l'appliquer. Alors, cela devrait plutôt être une petite sonnette d'alarme qui vous dit, rechange ta façon de penser sur cette situation-là, par exemple, recommence à donner un aspect plus positif à telle circonstance pour que celle-ci en vienne progressivement à se modifier dans votre vie. Encore là, la loi d'attraction étant ce qu'elle est, on attire selon notre fréquence de vibration. C'est pour ça que je le répète toujours que c'est nous qui sommes la personne, vraiment l'énergie qui fait que nous attirons à nous tout ce qui nous entoure. Évidemment, tant qu'on ne croit pas cela et qu'on ne fait pas attention à ce que l'on attire dans notre vie, que l'on met le blâme sur les autres, sur le gouvernement, notre conjoint, nos éducateurs et ainsi de suite, on ne reprendra jamais notre pouvoir de notre vie. Alors, c'est important de commencer à reprendre son pouvoir personnel en sachant que cette loi d'attraction qui est universelle fait en sorte qu'elle est comme notre gérant universel, oui, de tout ce que nous attirons dans notre vie. Et c'est une chance parce que dès que nous voyons quelque chose ou que nous attirons quelque chose que nous aimons moins, encore là, ça devient un signe que nous avons quelque chose à l'intérieur de nous à changer. Vous savez, il y a des gens qui me demandent, est-ce que cette loi d'attraction-là s'applique dans mon pays, par exemple, l'Afrique ou la France ou le Canada, peu importe. Évidemment, je viens de vous le dire, c'est une loi universelle, peu importe notre pays d'origine. Et j'ai déjà eu des gens dans mes consultations qui m'ont dit qu'ils avaient changé justement de pays pour se sentir mieux. Et à les entendre, je n'étais pas certaine s'ils se sentaient mieux là où ils étaient. Parce que vous savez, partout où on s'en va, on s'amène avec soi.
Alors, c'est important de commencer à vouloir se sentir bien là où on est, peu importe l'environnement extérieur, et de toujours progressivement, d'une pensée à l'autre, d'un focus d'attention à l'autre, avec quelle personne nous nous maintenons, quel est notre entourage, pour que nous puissions nous sentir quand même élevés vers un mouvement de positivisme et ainsi de suite. Parce que sinon, si on n'apprend pas à être bien là où nous sommes, même si nous allons ailleurs, nous déménageons, nous changeons d'emploi, changeons de conjoint, si nous ne sommes pas bien là où nous sommes, nous risquons d'attirer les mêmes genres de personnes ou de patrons ou ainsi de suite, parce que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Alors, pour revenir à la question de Gaëtan, comment persister dans l'application des principes de la loi d'attraction? C'est simplement de vous rappeler que tout ce que vous attirez dans votre vie est un indicateur. Mais un indicateur de quoi? De quoi? Pardon? Un indicateur de vibration. De comment vous vibrez à l'intérieur de vous, quelle est votre fréquence d'énergie. Et à ce moment-là, comme tout est un indicateur de ce que vous vibrez, il s'agit juste de voir ce que vous attirez dans votre vie et de garder ça comme un signe à l'effet que vous avez peut-être quelque chose à changer à l'intérieur de vous par vos pensées, toujours par votre énergie, votre attitude, et graduellement, ceci va venir d'une façon davantage positive dans votre vie. Et une dernière chose, c'est qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui, peu importe les situations que nous vivons, en claquant du doigt comme ça. On a eu une façon de penser qui a été souvent répétée et ça nous a amené à un certain, parfois un cul-de-sac, je dirais. Alors, il y a une citation d'Albert Einstein qui dit que nous ne pouvons pas régler un problème avec la même conscience que nous avions lorsque nous l'avons créé. Alors, je pense qu'à partir de là, ça veut dire quoi? Il est temps, pour les gens qui se sentent interpellés, à changer votre focus d'attention, vos pensées et à faire un effort, entre guillemets, de garder en vous et de vous faire des petits, qu'on peut dire des post-it parfois, des petites phrases affirmatives que vous choisissez, que vous vous sentez bien de les répéter graduellement, pour faire en sorte de changer votre momentum d'énergie pour attirer à vous de plus en plus les belles choses de la vie. Alors voilà, c'était la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction. Sur ce, eh bien, je profite du moment pour vous dire à tous un joyeux temps des fêtes parce que nous sommes en décembre et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer « J'aime » au bas de la vidéo et on se retrouve à la prochaine réponse à ma question de la semaine.